Bonsoir à tous et bienvenue à tous dans l'émission Parole de vie. Que Dieu vous bénisse à tous. Et ce soir, notre émission qui commence sur le thème de l'expiation avec notre frère Michael de Revel. Que Dieu le bénisse, il va être le moyen de bénédiction pour chacun d'entre nous. Et je le salue. Hein. Je salue aussi mon frère Antonio. Que Dieu bénisse mes frères. Je laisse la parole à Antonio. Voilà, bonsoir tout le monde, hein, que Dieu soit béni et glorifié. On se retrouve une fois de plus pour notre émission Parole de vie. Donc, je crois de tout mon cœur que nous allons être une fois de plus richement bénis de la part de Dieu. Donc, ce soir, bien, notre invité, ce soir, c'est notre frère Michael, dans lequel, eh bien, je crois de tout mon cœur qu'il va être l'instrument choisi entre les mains de Dieu. Donc, je vais te laisser la place, mon frère, pour que tu puisses, eh bien, nous expliquer un petit peu ce soir, eh bien, le thème de ton émission, avant de pouvoir procéder, eh bien, aux questions. Donc, nous te laissons la place pour que tu puisses, eh bien, nous présenter, eh bien, le thème de la soirée, mon frère. Voilà, hein, vous m'entendez? Hein? Bonsoir à tous les frères, Dieu vous bénisse. Hein, nous sommes heureux de pouvoir, par le biais donc technologique, donc de pouvoir être ensemble et d'être ensemble par l'Esprit Saint. Voilà, je voudrais vous présenter ce thème de l'expiation, qui est un thème, je pense, un des plus fondamentaux donc des doctrines. C'est une doctrine très 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 importante, puisque c'est une doctrine salutaire, hein. L'expiation, c'est le salut de toute l'humanité accompli en Jésus-Christ. Donc j'ai souvent tendance à dire que il y a les doctrines et il y a la doctrine. Les doctrines, et il y en a plusieurs, mais la doctrine de fondement, d'où vient le salut. Et cette doctrine-là, c'est l'expiation, hein, en Jésus-Christ. Donc, simplement pour vous faire une petite présentation, cette expiation était prophétisée dans l'Ancienne Alliance. Elle était attendue, hein, le Messie était attendu de tout temps, déjà par la première prophétie donnée par Dieu lui-même en s'adressant au serpent, en disant, Genèse 3,15, vous connaissez. Que la postérité de la femme allait écraser la tête donc du serpent. Et en fait, l'expiation, c'est la victoire contre le mal, la victoire contre le péché, et donc l'établissement pour l'humanité, le moyen, hein, pour que l'humanité soit rétablie et reconnectée avec Dieu, parce que nous savons que notre Dieu est saint et l'humanité est dans le péché. Donc, il n'y avait que l'expiation, la croix, hein, disons-le, donc qui pouvait donc créer un pont où il n'y en avait pas. Voilà, donc simplement pour vous dire que les sacrifices de l'ancienne alliance qu'on trouve dans le Lévitique et dans tout ce qu'on appelle nominément tout ce qui est Genèse, donc Nombre, Lévitique, Deutéronome, le Pentateuque, hein, en grec, voilà, les cinq livres. Étaient prophétisés, ces sacrifices animaliers n'étaient que des, si vous voulez, des préfigurations de celui qu'allait accomplir Jésus-Christ, la véritable expiation. Voilà. Donc, si vous voulez, simplement courtement, hein, avant de vous laisser deux offrandes fleurs végétales. Il y avait sept sacrifices et dans l'ancienne alliance, dans le Lévitique surtout. Donc il y avait ce qu'on appelle en hébreu Zevar Chata, c'est le sacrifice pour le péché. Donc Jésus, par l'expiation de la croix, a accompli ce sacrifice. Nous aurons peut-être l'occasion d'en parler, bien sûr. Il y avait Zevar Hacham, le sacrifice de culpabilité. Voilà, tout ça est écrit dans le livre Lévitique. Hein. Donc, et Jésus, donc, nous le verrons, a pris notre culpabilité. Et, notre sacrifice qu'on appelait Ola en hébreu, et c'est l'Holocauste, hein. Sacrifice entièrement consumé. Ola veut dire monter, voyez-vous. Consumé entièrement et monté.
Donc, c'est ça accompli à la croix. Il s'est laissé quelque part consumé par la volonté de Dieu en subissant la mort de la croix pour nous. Et il est monté comme un parfum de bonne odeur devant la présence du Père pour l'expiation. Ça, nous le verrons aussi. Il y avait aussi un autre sacrifice qu'on appelle Zevar Shelem ou Ashlamim, ce qu'il traduit dans nos versions Louis II, le sacrifice d'action de grâce. Il est appelé aussi dans la Bible hébraïque Zevar Toda, le sacrifice de remerciement. Il est aussi appelé le sacrifice de prospérité, sacrifice de paix, parce que Shelem, c'est le mot Shalom, la paix, et c'est ce que Jésus a accompli aussi, il a rétabli la paix. Il nous a réconciliés, nous étions ennemis de Dieu, et voilà, il a rétabli la paix par son sacrifice. Donc il y avait aussi, si vous voulez, un autre sacrifice, Zevar Miluim. Alors, ce sacrifice, c'était le sacrifice d'investiture. Souvenez-vous, toujours dans le Lévitique et dans le livre de l'Exode, c'est l'investiture d'Aaron et de ses enfants dans le sacerdoce. Ça veut dire aussi sacrifice de garniture. Ils ont été garnis du ministère. Voilà. Ils ont été garnis, investis du ministère. Nous voyons, mes frères, vous êtes serviteurs de Dieu comme moi, que le ministère n'est que, si vous voulez, tente de l'expiation. Voilà. Donc, ce n'est pas grâce. Voilà. Donc, on a reçu un ministère, mais on se l'approprie par nous. Ce n'est pas par nos mérites. Ce n'est vraiment qu'un don. Tout ça découle de la croix. Voilà. Et pour mon intro, il y avait donc l'offrande végétale qu'on appelait de deux façons différentes. On pouvait appeler aussi un sacrifice de cette façon-là aussi. On appelait ce mot corban. D'ailleurs, c'est écrit dans le Nouveau Testament. Donc, Jésus va le citer, ce mot. C'est merveilleux parce que par l'expiation accomplie en Jésus-Christ, nous étions éloignés et il nous a rapprochés. Il a rapproché ceux qui étaient près et ceux qui étaient loin. Ceux qui étaient près, c'était les Juifs. Ceux qui étaient loin, c'était nous, les Goïms, les non-Juifs. Et la croix, donc, nous a rapprochés, nous a réconciliés. Nous savons que le voile du temple s'est déchiré de haut en bas à la mort de Jésus pour nous donner un libre accès dans le Saint Sanctuaire, dans la présence de Dieu, tout simplement. Et il y avait donc une autre expression hébraïque, Minra. Minra, c'est aussi, c'était un sacrifice végétal, une offrande végétale, plutôt. Et Minra veut dire équilibre. Voilà. Donc, si ce soir, les auditeurs sont là, et souvent, on veut s'équilibrer nous-mêmes. Et malheureusement, quand l'homme veut s'équilibrer, ce n'est pas bon signe. Il n'y a que la croix, amen, qui puisse nous équilibrer, équilibrer tout notre être avec Dieu. Et cette harmonie, cette relation avec le Seigneur. Voilà, donc c'était pour vous dire que l'expiation était vraiment quelque chose qui était attendu et prophétisé dans toute l'Ancienne Alliance. Voilà, donc c'est un thème merveilleux et qu'on doit découvrir et redécouvrir, je pense, assez souvent. Voilà. Je vous laisse la place, les frères. Amen. Gloire au Seigneur. M'entendez, les frères ? Oui, comme tu le disais, c'est un thème merveilleux et très important pour nous, les chrétiens. J'aimerais te poser la première question. La première question est, quelle est la différence entre le pardon de Dieu et celui de l'homme ? Voilà. Eh bien, oui, c'est une question qui est très importante. Parce que, déjà, le pardon de Dieu est un pardon parfait. Ce n'est pas un pardon qui va laisser, si vous voulez, une mémoire dans le méfait et dans la désobéissance. Mais le pardon de Dieu va totalement
totalement oublier nos péchés. Et ça, c'est très, très, très particulier. Il y a un récit de la parole qui est extraordinaire. C'est quand, souvenez-vous, Balak veut maudire Israël. Après, on prendra des textes pour continuer, mais je dis ça parce que c'est quelque chose que je n'avais pas prévu de dire, donc je le dis ce soir. Balak voulait maudire Israël, il va mandater Balaam, vous connaissez. Donc, je vous passe le récit et tout ça. Balaam va venir. Et qu'est-ce qui va se passer? Balaam, avant de quoi que ce soit, il va, si vous voulez, créer, il va monter 21 hôtels tout autour du camp d'Israël. Et il va offrir 42 sacrifices. C'est pas mal. C'est-à-dire qu'il y avait du sang qui coulait. Et dès que le sang des sacrifices coulait, c'est bien sûr, le sang animalier, les animaliers étaient une préfiguration de l'agneau de mourir pour l'humanité. Et si vous voulez, Balaam aurait regardé Israël avec ses yeux, avec son pardon à lui, il aurait pu peut-être. Mais Dieu, à ce moment-là, va accorder à Balaam son Israël. Il va dire, c'est comme il dirait quelque part, voilà, Balaam, toi, si tu le vois, tu vas le juger, tu vas le maudire. Maintenant, moi, je veux te montrer, je veux te greffer mes yeux à ce moment précis et je veux te montrer comment je vois Israël. Et parce que le sang avait coulé, Balak attendait la bonne nouvelle pour lui, se frotter les mains. Et il va donc le faire tout autour d'Israël, hein. Donc, pas simplement d'un côté, mais de plusieurs côtés. Et qu'est-ce qui va se passer? Balaam va dire, il va se tourner vers Balak. Il ne va pas dire « je vois ». Non, il voit en Jacob aucune iniquité et en Israël aucune injustice. C'est extraordinaire parce que le sang avait coulé de ces animaux qui étaient une préfiguration de Christ. Et parce que par anticipation, hein, jusqu'au sacrifice de Jésus-Christ, Dieu a agréé ces sacrifices animaliers par anticipation de celui qui allait offrir sa vie. Donc, si vous voulez, le pardon de Dieu oublie la faute. Et c'était écrit aussi, si vous voulez, dans le prophète Jérémie. Je vous encourage à le lire. D'ailleurs, on peut le lire. Hein. On va le lire. Hein. Jérémie 31. Voilà. On prend le temps de lire la parole. Les frères m'ont dit qu'on avait un peu de temps, donc hein. Voilà, je lis pour vous. Jérémie 31, à partir du verset 31. Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que je traitais avec leur père. Le jour où je les ai saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, alliance qu'ils ont violée. Avec la maison. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi, je l'écrirai dans leur cœur. Là, ils prophétisent la nouvelle naissance. Je serai leur Dieu. Et ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant « Connaissez l'Éternel, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel, car je pardonnerai leur iniquité, et je ne me souviendrai plus, amen, de leur péché. » Extraordinaire. Dieu est tellement grand, mes frères,
qui peut lui-même s'auto-limiter. Il peut oublier. Et si vous voulez, l'expiation en Jésus-Christ permet, si vous voulez, à Dieu hein, d'oublier. Donc, je dis ça en passant. S'il y a des frères et sœurs ou des amis qui nous entendent, et je pense que oui, quand on a demandé pardon à Dieu pour nos péchés, le Seigneur, ce qu'il veut, c'est qu'on oublie nos fautes. Parce que de s'en rappeler nous donne une faiblesse tombée tôt ou tard. Tandis que si on les oublie comme Dieu les oublie, on en est délivré. Amen. Voyez-vous, et ça c'est très très important. Donc, le pardon par le moyen du sang de l'agneau qui est Jésus-Christ va détruire tout casier judiciaire. Il n'y a plus de casier judiciaire sous les paroles de Balaam. Il ne voit en Jacob aucune iniquité et en Israël aucune injustice. Comprenons les frères. Jacob, c'est notre vie avant de connaître Dieu. Israël représente le nouveau nom, l'homme nouveau, notre vie dans la rencontre de Dieu. Ça veut dire que l'expiation en Jésus-Christ veut nous poursuivre tout le restant de notre vie. Bien sûr que celui qui est né de Dieu ne vit plus dans le péché, mais néanmoins, le sang de Jésus veut nous accompagner tout au long de nos jours. Et il oublie notre passé. Amen. Chacun se repent avec un cœur sincère, il oublie nos péchés présents et il oubliera même nos péchés dans le futur chaque fois qu'on s'humiliera de tout notre cœur et on appellera la grâce de Dieu sur notre vie. Et ça, c'est le pardon de Dieu. Ce pardon, c'est un pardon qui est saint. C'est un pardon qui n'a pas de, il ne fait pas de compromis avec le péché. Je voudrais relever aussi cette vérité fondamentale. Dieu n'excuse pas le péché. Hein? Excuser, c'est le minimiser. Bien sûr, du sacrifice. Possible à Dieu, est possible de nous pardonner. Je voudrais dire aussi que le pardon de Dieu n'est pas un pardon de sentimentalisme, comme souvent on peut le croire. Hein. Si vous voulez, Dieu est en accord avec lui-même. Les frères. Donc, pour continuer l'explicative hein, de cette question, hein, je pense, voilà. Dieu est en accord avec lui-même et Dieu a deux attributs fondamentaux, c'est qu'il est saint et il est miséricordieux. Voilà. Et d'ailleurs, l'expiation en Jésus-Christ va... si vous voulez, rassasier ces deux attributs fondamentaux de Dieu. Parce qu'il fallait que sa sainteté soit rassasiée et sa justice, et il fallait aussi que sa miséricorde et son amour soient rassasiés. Donc ces deux attributs, Paul va en parler. Je crois que c'est dans Romains au chapitre 11, il va en parler. Et il va dire, considérez la bonté de Dieu, mais pas seulement. Il va dire considérer sa sévérité aussi. Donc, il nous dit considérer sa bonté et sa sévérité. Nous sommes devant les deux attributs fondamentaux de Dieu. Sa sévérité, c'est sa sainteté et sa rigueur contre le mal et le péché. Il ne peut pas le supporter, le péché. Dieu le haït au plus haut degré. Hein. Dieu ne se force pas d'haïr le péché. Ça coule de source. Parce qu'il est saint. Je prends souvent cet exemple du Cantique des Cantiques, donc au chapitre 5, il nous dit que, il dit, aimé, il nous représente le Messie,
La Sulamite représente l'Église, le peuple de Dieu. Il va dire, mon bien-aimé, est blanc et vermeil, Dodit Tsar Veadom, en hébreu, mon bien-aimé est blanc et rouge. La blancheur, c'est son attribut de rigueur et de sainteté. Et sa rougeur, c'est son sang versé, sa miséricorde, sa grâce, hein, disons-le comme ça. Donc, si vous voulez, par rapport à son attribut de sainteté et de justice, Dieu ne pouvait pas innocenter un coupable. Ça, il faut comprendre. Parce que ce n'est pas juste qu'un coupable soit innocenté. D'ailleurs, il est dit, Exode, chapitre 34, verset 7, il nous dit textuellement, tu ne tiendras pas pour innocent le coupable. Tu n'innocenteras pas le coupable. Voyez, nous, s'il aurait été pauvre, on aurait le pauvre, hein, qu'à le dire, et on aurait eu beaucoup de sentimentalisme, on aurait dit peut-être, laissez-le aller. Non, Dieu, dans son attribut de justice et de sainteté, vous tiendrez pas donc le coupable pour innocent. C'est écrit. Hein, Dieu ne peut pas, dans son attribut de justice. Donc, si vous voulez, le pardon de Dieu, et je développe doucement, le pardon de Dieu est unique. C'est un pardon par substitution. C'est-à-dire, pour que Dieu nous pardonne, il fallait que quelqu'un paie à notre place. C'était, les frères, un et unique moyen. Parce que si Dieu pardonne par sentimentalisme, la croix n'aurait pas sa raison d'être. Pourquoi Dieu aurait permis que son fils souffre à la croix si Dieu pourrait nous pardonner comme ça? Non. La croix, alors bien sûr qu'elle est pour nous, elle est pour nous sauver, bien sûr, mais prioritairement, les frères, la croix, c'est pour Dieu. La croix, c'est pour satisfaire la sainteté, la justice et l'amour de Dieu. Il avait été prophétisé, Jésus, Michée, vous le lirez, Michée, chapitre 5, verset 1 à 2, il nous dit comme « Toi, Bethléem Ephrata, petite parmi les milliers de Judas, mais de toi, dit Dieu, sortira pour moi. Amen. Celui qui dominera sur son peuple. » Jésus, c'est pour Dieu. Il dit que Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même. La croix a rassasié la tribu de sainteté et la tribu de miséricorde de Dieu. Et ça, c'est merveilleux. Donc, si Jésus n'aurait pas été notre remplaçant, parce que le mot substitut veut dire remplaçant, il a pris notre culpabilité. Du sacrifice que je vous ai nommé au départ, Zevar Hacham, sacrifice de culpabilité. Il fallait qu'il prenne ma culpabilité pour que Dieu puisse me pardonner. Hein? Et c'est pour ça que ça va plus loin. C'est pour ça que le pardon de Dieu, c'est un pardon, pas simplement un pardon, c'est une justification. C'est merveilleux. C'est pas simplement je te pardonne, mais je n'oublie pas ce que tu as fait. Non, non, non. Un pas parce que, si vous voulez, l'innocent, c'est Jésus. Le coupable, c'est nous. Hein, si vous voulez, a pris notre place pour nous donner quelque part son mérite. Hein.
Et c'est écrit, on peut le lire si vous voulez. Hein. On va lire encore la parole de Dieu. Regardez ce qu'il est dit dans Romains 3. J'ai un peu de temps, les frères. Hein. Alors, c'est merveilleux, la parole de Dieu. On va lire à partir du verset 23, si vous voulez. Hein. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés. Hein, c'est plus qu'un pardon. Hein, c'est être justifié par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croient victime propitiatoire ou expiatoire. C'est le même mot. Ça a été une victime. Nous, nous étions des coupables. Mais comme Jésus est innocent, il a été une victime de substitution. Afin de montrer sa justice. Parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience. Afin, dis-je, de montrer sa justice dans le temps présent. De manière, et c'est là que je voudrais m'arrêter, à être juste tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Je m'arrête sur ça. Il reste juste tout en justifiant. Je ne sais pas si vous me comprenez. Parce que si Dieu justifie un coupable sans la substitution de l'expiation en Jésus-Christ, il n'est pas juste. Parce que ce n'est pas juste de justifier un coupable. Ce n'est pas juste. Mais parce que Jésus a pris notre culpabilité, Dieu, regardez la puissance de la croix, mes frères, Dieu a justifié tout en restant juste, parce que Jésus a payé pour nous. Amen. Et ça, c'est merveilleux. Vous savez, même dans une juridiction humaine, on ne peut pas payer deux fois pour le même crime. C'est pas juste. C'est impossible. Si on paie deux fois pour le même crime, il y a un problème. Il y a un problème avec la justice. Jésus a tout pris, les frères. Et je voudrais que ce soit quand même qu'il y ait des moments solennels. Les frères, Jésus a tout pris. C'est pour ça qu'il dit que son sang tous les péchés. Il n'en a pas les uns. Il les a portés en son corps, dit la Bible, sur le bois. Il a tout pris. Il faut comprendre que nous étions Barabbas. Le coupable, c'était Barabbas. Et toute la foule s'est mise à crier, hein, crucifier Jésus, relâcher Barabbas. C'est vrai qu'ils étaient incités par les hommes religieux, mais il y a quand même une anomalie. Jésus n'avait fait aucun. Et Jésus devient Barabbas. Et il prend cette croix qui était destinée pour Barabbas. C'est Jésus qui la prend. Vous voyez, c'est ça, la substitution. Donc, c'est pour ça qu'il est dit, et je voudrais que ce soit bien compris, mes frères, le pardon de Dieu, c'est merveilleux en Jésus. Il est dit dans Jean 3, verset 16, un texte très, très connu, un des plus connus, si ce n'est le plus connu, car Dieu, amen, a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, si vous voulez, l'amour de Dieu nous a donné son Fils pour que nous soyons pardonnés, justifiés et sauvés. C'est par amour. Mais une fois que la croix a été accomplie, on arrive
à 1 Jean 1, 9. Et je cite, « Si nous confessons nos péchés, soyez avec moi s'il vous plaît, il est fidèle et juste pour nous les donner. » C'est-à-dire qu'il nous a donné par amour son Fils pour qu'il meure à notre place à la croix. Mais dès que la croix a été accomplie, que Jésus est mort, il est ressuscité, il s'est assis à la droite du Père pour intercéder en tant que souverain sacrificateur, disons-le, avocat. Celui qui repent sincèrement, ça ne relève plus de l'amour par rapport au pardon, ça relève de la justice. C'est plus puissant. C'est-à-dire qu'un pécheur qui se repent sincèrement, étant convaincu de son péché, c'est justice que Dieu donne. Pourquoi? On ne peut pas payer deux fois, amen, pour le même crime. Et comme Jésus a payé cash toutes nos transgressions, il y aurait objection de la part de l'avocat qui est Jésus-Christ s'il n'y a pas pardon, s'il n'y a pas justice parce qu'il a payé, les frères. Je voudrais qu'on comprenne qu'il dit que celui qui avoue et qui délaisse obtient miséricorde, bien sûr. Il obtient la miséricorde du don de Jésus-Christ. Et bien sûr, je voudrais que ce soit bien compris ce soir. Tout ce que fait Dieu, il le fait avec son amour, puisque Dieu est amour. Mais le pardon de nos péchés relève de sa justice, parce qu'il y a eu la substitution. Jésus a pris ma coupable aux yeux de Dieu. C'est incroyable, c'est une vraie substance. C'est pour ça que Dieu a frappé. Il dit que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui parce qu'il s'est revêtu de notre culpabilité. On retrouve cette image prophétisée. Et excusez-moi, la question elle est courte, mais il faut quand même, c'est un thème très très important. Pour moi, c'est le plus profond de la Bible, l'expiation. Parce que parfois, on en parle de l'expiation, mais à 300 km/h. Et je voudrais ce soir, par la grâce de Dieu, que cette émission soit un moyen pour zoomer un peu la croix, c'est voir vraiment en détail ce qui s'est vraiment passé, ce qu'il a fallu que nous ayons ce pardon de Dieu qui est vraiment unique. Parce qu'il était déjà, Dieu nous préparait à ce pardon de substitution dans l'Ancien Testament. Et même, il préparait Israël et les nations à ce pardon de substitution. Pourquoi? Parce qu'avant la venue de Jésus, on venait au temple sacrifier des animaux pour le pardon des péchés. Ça devait être très sanglant. Vous imaginez, l'animal n'avait rien fait, lui. Et il payait, on imposait les mains au bouc émissaire, à Lévitique 16, pour le jour du Kippour. Il n'avait rien fait, ce bouc. Mais il était maudit et il n'avait rien fait parce qu'on lui transmettait toute la culpabilité. C'est exactement ce qu'a fait Jésus. Et il a pris notre culpabilité à la croix. Et ces sacrifices animaliers de l'Ancien Testament étaient une préparation mentale à ce qu'il y allait avoir un sacrifice de substitution. Et ça devait être une préparation mentale, spirituelle, que Dieu ne pouvait pas pardonner sans que le sang soit versé. C'est pas possible. Il fallait que quelqu'un paye pour le pécheur. Sinon, Dieu, tout en nous aimant, n'aurait pas pu nous pardonner. Tout en nous aimant. Parce que ça aurait été contre son attribut de sainteté et de justice. Et comme nous avons un Dieu absolument juste, voyez-vous, donc c'est merveilleux. C'est pour ça qu'il nous innocente. Je voudrais qu'on lise un passage encore ensemble. Galates,
feuillette ma Bible. Galates 3, verset 13. Texte très, très puissant, mes frères. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Voyez-vous, il y a aussi 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 21. Ouvrez vos oreilles, s'il vous plaît, très important. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous. Et là, ce texte est tellement puissant, les frères, que moi, je suis toujours ému quand je réalise cette vérité. Hein, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Vous imaginez ? Il est écrit, celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, pour que nous venions en lui justice de Dieu. Alors, je voudrais expliquer ça. Jésus n'a jamais péché. Il est au de Dieu saint, dans l'esprit, l'âme et le corps, sans péché, sans aucun péché. Mais il a porté, dit l'Écriture, nos péchés en son corps, sur le bois. Donc, il a pris la culpabilité du seul coupable de toute l'humanité, à la croix. Et par rapport à ça, nous, en lui, nous devenons justice de Dieu, frère. Et la justice de Dieu, elle a un nom. Elle s'appelle Jésus-Christ. Amen. C'est pour ça que Jésus va dire, en parlant du Saint-Esprit, qu'il convaincra le monde de péché, de justice et de jugement. Mes frères, il y a 3 éléments là, dans la conviction amenée par l'Esprit, le péché, la justice et le jugement. Il y a un ajout, les frères, parce que le péché devait amener au jugement. Le salaire, c'est la mort. C'est écrit. Mais il y a eu entre le pécheur et le jugement la justice de Dieu qui s'est mise entre les deux pour nous barrer le jugement. Et la justice s'appelle Jésus-Christ. Donc, on devient en lui ce qu'il est. C'est extraordinaire. Par l'expiation, c'est pour ça que je comprends mieux l'homme de Dieu qui dit « tel il est ». Amen. Tels nous sommes. Hein. Et il y a des textes que je comprends mieux. Par exemple, on peut lire aussi, si vous permettez, Ésaïe 53. Bon, je rassure les frères, peut-être les autres questions seront moins. Il y aura moins de longueur en explicative. Hein. Voilà. Donc, mais c'est tellement important de le lire. Hein. Donc, Ésaïe 53, verset 5, par exemple. Il a été blessé pour nos péchés. Lui. Et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Nous le reprendrons avec un Pierre, hein, peut-être. Il le dit, il a été brisé, blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Je voudrais vous poser une question. Verset 10, toujours dans le psaume 53, après je pose une question. Hein. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Que Dieu donne son Fils pour nous. Je comprends. Mais que ça y plaise.
voulu, selon le vrai texte. Il a voulu, Dieu l'a voulu. Parce que Dieu ne voyait plus son fils à la croix. Il voyait le péché de toute l'humanité. C'est pour ça que ça y plaît, de le frapper. Ce n'est pas une substitution, un semblant, si vous comprenez. Dieu n'a pas joué l'acteur, en disant « je fais semblant de ne pas voir mon fils ». Non, non, mes frères. Tout ce que Dieu fait, c'est parfait. Et Dieu voyait notre culpabilité. C'est ça que ça y plaisait, parce que ça plaît au Dieu juste de frapper pour sanctionner l'homme, parce qu'il est juste, parce qu'il haït le péché. Je vais vous poser une question, et ma question elle est celle-ci. Je suis venu à Avignon, à Cavaillon, donc certainement que je vous l'ai posée, parce que quand je parle de l'expiation, je parle de ça aussi. Qui c'est qui a frappé Jésus à la croix? Est-ce Dieu ou les Romains? Parce qu'il dit qu'il a été frappé de Dieu, c'est écrit. Mais moi, je vois les Romains le crucifier et même être animé d'un esprit pas bon, hein, vous comprenez les frères. Il fallait être méchant pour crucifier quelqu'un. Il fallait avoir vraiment de l'estomac. La crucifixion, c'était terrible, hein, très sanglant. Mais je vais vous dire, hein, parce qu'on n'a pas le temps, mais on appelle ça en hébreu le tzimtzum. Je passe le détail de la prononciation, c'est le retrait de Dieu. Quand Dieu juge, il se retire. Jugement en hébreu din, c'est une rétraction de Dieu. C'est-à-dire que Dieu s'empêche de protéger. Quand nous, on frappe un enfant qui est désobéissant, regardez ce qu'on fait. Quand Dieu frappe, lui, il se retire. Et c'est à ça qu'il frappe. Il se retire. Dieu s'est retiré et son fils agonisé 6 heures pour que toi, ce soir, amen, tu puisses être réveillé avec lui. Mes frères, Abraham un jour a voulu offrir Isaac et Dieu lui a arrêté. Il lui a dit, Abraham, ne fais pas ça. Qui arrête le bras de Dieu pour offrir son fils? Personne. Dieu a été jusqu'au bout. Dieu, comme l'avait dit Abraham, Adonai Yireh, il a appelé ce lieu, Dieu s'est pourvu lui-même. Amen. Et c'est extraordinaire de comprendre cela. Toujours dans Ésaïe 53. Verset 7. Je voudrais qu'on comprenne ce texte aussi. Il a été maltraité et opprimé. Il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui la tondent, il n'a point ouvert la bouche. Pourquoi Jésus a été muet à la croix? Mes frères, comprenez, Jésus est la parole faite chair. Et Jésus se tait à la croix. Il est muet, il ne dit pas un mot. Tu sais pourquoi il ne dit pas un mot? Parce qu'il prend ma culpabilité. Et Michaël était coupable. Et Michaël aurait eu la bouche fermée. Parce que quand on est coupable, on n'a pas d'argument. Mes frères, vous pouvez ajouter votre nom. Mais Jésus a dit, parce que Michaël est coupable. Et j'accepte de porter sa culpabilité.
et j'accepte de me taire à sa place. Mes frères. C'est pour ça que ceux qui n'acceptent la croix, ceux qui n'acceptent pas le tout accompli en Jésus, devant le trône blanc, ce qu'on appelle le jugement, dit que toute bouche sera fermée. Devant le trône blanc, personne ne pourra parler parce qu'ils seront coupables et sera justice leur condamnation. Mais Jésus a pris le jugement à ma place et il s'est tu à la croix. Il n'a pas ouvert la bouche. On pourrait lire Romains 8. Ce n'est pas quoi que je pense que sous une émotion, non, nous ce que nous voulons, c'est ça. C'est la Bible et tout ce que je vous dis là. Romains 8, un texte merveilleux. Regardez ce qu'il est dit. Romains 8 à partir du verset 1er. On se fait plaisir, les frères. Hein? Voilà, parce que c'est comme un gâteau la parole. Hein? Et puis, on ne veut rien louper. Hein? Tellement important. Il n'y a donc maintenant, dit Paul, aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ben oui, puisque lui a été condamné à notre place. Et le mot là, grec, katakrino, c'est juger, le jugement. Il n'y a plus de jugement pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, est là, ouvrez vos oreilles. Dieu a condamné le péché dans la chair, en envoyant à cause du péché son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. Je voudrais éclaircir ça. Le corps de Jésus était sans péché, les frères, de corps, d'âme et d'esprit. Mais il était dans une chair comme la nôtre, un corps comme le nôtre. Jésus a vaincu le péché, n'étant pas un homme hybride, 50% Dieu, 50% homme. Jésus est resté 100% Dieu, mais il a vaincu le péché en étant 100% homme. Hein? Et il dit qu'il a condamné le péché dans la chair. Mais dans quelle chair? Mais il nous donne la réponse plus bas. En envoyant son fils dans une chair semblable à la nôtre. Pourquoi? Parce que Jésus, dit, c'est écrit 1 Pierre 2, versets 22 à 24. Il a pris nos péchés en son corps. Sur le bois. Il a pris dans son corps, sur son corps, le péché. Dieu a frappé. Et il a jugé le péché, mes frères, dans la chair de son fils. Et c'est pour ça qu'il a été meurtri. Et c'est pour ça que ses meurtrissures nous guérissent. Alors, quand on parle par ces meurtrissures, nous sommes guéris, on a souvent tendance à le limiter à la guérison corporelle. Bien sûr que la guérison corporelle, par extension, elle est donc accomplie par rapport à ce texte, mais prioritairement, selon 1 Pierre 2, versets 22 à 24, prioritairement, bien sûr, là, il y a, si vous voulez, vérité dans ce texte. Et parce qu'il a porté nos péchés sur son corps, il y a eu des conséquences. Il a été frappé. Il a jugé Dieu katakrino, le même mot. Il n'y a plus de jugement pour ceux qui sont en Jésus-Christ parce que Dieu a jugé le péché dans la chair
de son Fils. Il faut que vous compreniez qu'à la croix, amen, le péché a été déjà jugé parce qu'il a été frappé. C'est pour ça que ceux qui n'acceptent pas Jésus, sans sacrifice, seront jugés au trône blanc. Et c'est pour ça que Jésus n'a rien dit, hein, parce qu'il a pris le jugement de Dieu, mes frères, à notre place. Je passe très vite et je finis. Mon développement, mes arguments contre cette question est un peu longue, mais elle est vraiment fondamentale, les frères. Elle est fondamentale. C'est pour ça qu'il nous dit, Jean, si vous voulez, je ne sais pas si il y a là, hein, je voudrais relire un texte. Alors, c'est Apocalypse 2:17, je pense. Et je vous dis des choses qui n'étaient pas prévues peut-être. Voilà, Apocalypse 2:17, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée. Et j'ai un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Merveilleux. Je voudrais vous dire, mes frères et sœurs bien-aimés, que dans le ciel, il y a un nom nouveau pour vous. Amen. Comme moi, je me prends un exemple ce soir. Je suis né, bon, je vais avouer, les frères, je suis vieux. Il y en a un qui est plus vieux que moi là ce soir, mais je ne dis pas son nom, hein, je le laisse tranquille. Hein. Mais moi, je suis né le 20 juillet 1976. Donc, quand je suis né, mes parents m'ont déclaré à la mairie et m'ont donné un prénom. C'est tout à fait normal. Mais en août 2, je suis né de Dieu. Amen. Et dès que j'ai reçu cette nouvelle naissance, dans la mairie céleste, il y a eu un nom nouveau qui correspond à ma nouvelle naissance. Et ce nom nouveau, je le découvrirai quand je rentrerai dans le royaume céleste. Amen. Et vous aussi, hein, vous le découvrirez aussi. Merveilleux. Hein? Alors, je ne sais pas, il y en a qui vont gagner au change, hein, certainement, parce qu'il y a des noms un peu d'oiseaux chez nous. Hein? Mais je dis ça pour détendre un peu d'atmosphère. C'est la croix, hein, mes frères. Je lui donnerai un caillou blanc. Alors, à l'époque de Jésus et du Nouveau Testament, quand on passait à un tribunal, quand on était coupable, condamné à mort, on donnait un caillou noir. Et ça veut dire tu es coupable. Hein. Mais quand on était tenu pour innocent, on nous donnait un caillou blanc. Mes frères bien-aimés, Jésus à la croix a pris le caillou noir pour que nous ayons le caillou blanc. Amen. Amen. Jésus a accepté de prendre le caillou du coupable pour nous donner le caillou de son innocence. Mes frères, c'est ça le pardon. Nous sommes dans le thème du pardon parce que pour entrer au ciel, mes frères, il faut être saint. Pour entrer, il faut être sans péché. Pour entrer au ciel, il faut être parfait, mes frères. C'est pour ça que le mot shalom, la paix, ne veut pas dire prioritairement la paix, mais veut dire plénitude et perfection. Ça veut dire que, bibliquement parlant, pour avoir, il faut être parfait, mes frères. Vous savez ce que je vous dis? Sans la croix, bonne chance. Mais comme Jésus est parfait, la Bible nous dit que la paix est le résultat de la justice. Amen. Pour être juste. Et pas un seul juste, pas même un seul
Jésus, le seul juste. Et il nous dit, je vous laisse ma paix. Et il nous dit, je vous donne ma paix. C'est-à-dire, je vous donne ce que je mérite moi, et pas vous. Amen. Voyez-vous, c'est ça le caillou blanc hein, en Jésus-Christ. Merveilleux. C'est pour ça qu'on peut être au bénéfice de la paix. Parce que c'est la résultante de l'innocence de Jésus-Christ qui nous a donné. Hein. Colossiens 2, versets 14 à 15, je ne le lis pas, ça nous ferait aller trop loin. Il dit que l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, amen, il les a cloués sur sa croix. Il les a anéantis en les clouant sur sa croix. Vous savez, je ne vous apprends rien moi ce soir. Je suis convaincu que je ne vous apprends rien, mais un fait que nous rappeler les vérités bibliques. Vous savez que quand un crucifié était condamné, on mettait en haut un motif d'inculpation. C'est normal. Hein. Quand il y avait un brigand, disait le brigand. Quand c'était un meurtrier, on disait le meurtrier, un tel. Alors Jésus n'a rien pu dire. Marqué hein, de la croix de Jésus, appelez ça le titulus, le motif d'inculpation. C'est merveilleux, les frères, je fais une courte parenthèse. C'est que Pilate voit un homme ensanglanté, avec une couronne d'épines, boursouflé par les coups. Il avait passé toute la nuit blanche, avec des angoisses profondes, avec un état maltraité. Et, si vous voulez, en haillons. Et Pilate le voit. Et en plus, il ne dit pas un mot devant Pilate. Silencieux, ensanglanté, soufflé par les coups. Pieds nus. Et Pilate le voit. Pilate était de la noblesse romaine. Et Pilate était habitué à côtoyer des rois. Et il voit Jésus. Et il y a une conviction qui frappe son cœur. Et cette conviction, c'est celle-ci. Cet homme est roi. Vous imaginez? Sans l'habit royal. Ensanglanté. Mes frères, Pilate est convaincu que cet homme n'est pas n'importe qui. Alléluia. Jésus n'a pas besoin si vous voulez, d'être décoré. Alléluia. Jésus, la royauté, il la porte sur lui. Et Pilate est convaincu et dit, assurément cet homme est roi des Juifs. Et il va vouloir que cela soit marqué sur sa croix. Et comme on n'a rien pu marquer de mal le concernant, dans le monde invisible, vous êtes avec moi là, on est tous là, dans le monde invisible, l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, la liste de mes péchés était longue, les frères. Et bien dans le monde invisible, Jésus a pris ma liste et l'a clouée sur la croix. En voulant dire je paie, parce que Michael est coupable, je prends sa culpabilité. C'est Dieu peut me pardonner. Et plus que ça, il me justifie, parce qu'il a payé pour moi. Il a été jugé, son corps, sa chair a été meurtrie pour moi. C'est ce que nous dit l'Écriture. Je vais finir avec ça. Pour vous dire que le pardon en hébreu, selicha, salar, ça veut dire pardon, kafar aussi, ça veut dire couvrir, pardonner, expier. Il y a un autre mot, c'est nasa en hébreu, et nasa c'est prophétique. Qu'on arrache
Il dit, je prends les péchés et je m'en souviens plus. C'est ce qu'apporte Golgotha. Amen. Alléluia. Golgotha est tellement puissante, la croix est tellement puissante que ça touche à la mémoire de Dieu. Et ça permet à la mémoire de Dieu d'oublier nos fautes. Parce qu'il a payé pour nous. C'est extraordinaire. Voyez-vous, il ôte le péché. C'était le pardon prophétisé. Et c'est merveilleux. Jean 1:20. Jean-Baptiste va le présenter. Et va dire, voici l'agneau de Dieu. Il n'emploie pas le terme Selicha, il n'emploie pas le terme kafar, il emploie le terme prophétique Nassa, et dit voici l'agneau de Dieu qui ne couvre pas le péché, mais qui l'ôte le péché du monde. C'est le vrai pardon. Alors je voudrais vous dire que la croix, et je suis obligé de vous le dire, les gens de l'ancienne alliance qui étaient honnêtes avec Dieu et qui voulaient marcher avec Dieu ont été sauvés et pardonnés par anticipation de la croix. Ça, il faut comprendre. La croix sauve toutes les, par anticipation, a sauvé toutes les périodes de l'humanité. Souvenez-vous, Adam et Ève, Abel et Caïn, vous connaissez, Caïn tue Abel. Et là, malheureusement, où est le ruisseau messianique? Abel est mort. Caïn est un méchant. Hein, il fallait un troisième fils. Amen. Il fallait un troisième. Et ce troisième, on l'appelle Seth en hébreu. Et je vous le donne en mille. Que veut dire son nom? Mes frères le savent, serviteurs de Dieu. Que veut dire le nom de Seth, qui est un type de Jésus aussi? Seth veut dire celui qui prend. Amen. Celui qui donne qui prend la place de quelqu'un. Et c'est ce que Jésus a fait. Jésus est notre Seth à nous. Et il a pris ma place. Et il a été ma substitution. Il m'a substitué à la croix. Il a pris ma faute. Seth, je vous dis. Je fais une courte parenthèse. Je ne vais pas faire de l'hébreu ce soir. Juste 7, pour dire en hébreu, c'est la lettre Sin, pour dire 7, et la lettre Tav. Il n'y a que deux lettres pour le nom du troisième fils d'Adam. La lettre Sin, c'est la lettre du mot Shma, écoute, obéir. La lettre Tav, obéissant, jusqu'à la mort de la croix. Tav. Vous voyez? Donc, le sin, l'avant-dernière lettre de l'alphabet hébraïque, le Tav en est la dernière, la lettre la plus puissante, 400 valeurs numériques, la plus puissante révélation de la Bible, c'est la croix. Tout a été accompli à la croix. Amen. Et le signe, l'écoute, nous amène à la croix. Parce qu'avant la croix, il y a la lettre signe, qui est l'avant-dernière lettre. Donc comprenez mon langage. L'écoute amène à la croix. Si tu écoutes Dieu, tu vas devenir un crucifié. Amen. Béni soit Dieu. Donc, et quand Seth va naître, va se marier, il va voir Enoch, son fils. Et là, le ruisseau messianique est créé. Mes frères, 4000 ans après, Jésus va mourir à la croix. Et ce n'est qu'à ce moment-là qu'il est dit qu'on commença à je dis maintenant non, par anticipation, Christ va mourir pour vous et m'invoquer. Parce que sinon, ce n'est pas possible. Amen. La croix, elle couvre toutes les périodes de l'humanité. Je voudrais dire, donc,
quand Jésus est dit à la croix, tout est accompli par rapport au pardon. Il y a deux façons, un homme de Dieu l'a dit un jour, deux façons d'accomplir une loi humaine, mes frères. Je donne, et le frère donnait cet exemple aussi, un peu être des observateurs du code de la route. Donc, je respecte les feux rouges, je respecte les stops, les céder le passage et tout ce que vous voulez. En ça, mes frères, j'accomplis la loi. Mais il y a une autre façon de l'accomplir. Je transgresse tout. Je grille des stops. Je roule à 300 à l'heure, disons-le, si c'est possible. Moi, j'ai un scénic, ça va être compliqué. Hein? Mais par rapport à mes méfaits, je vais payer une amende, mes frères. En payant l'amende, j'accomplis la loi. Eh bien, mes frères, quand Jésus a dit à la croix, tout est accompli, Jésus n'a jamais péché. En ça, il accomplit la loi. Mais il a payé l'amende à la croix, comme il aurait tout transgressé. Et en ça aussi, il accomplit la loi pour nous, mes frères. Pour que nous, on soit dégagés de la culpabilité de la loi. Parce que la loi nous condamnait. Hein? Elle, pour qu'on soit dégagé plutôt de la culpabilité du péché qui était jugé par la loi. Donc, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Je finis avec cette question. Hein. Ça ira plus vite, hein, les autres, hein, frères, hein, je pense. Il y a trois sortes de péchés dans l'hébreu. Je ne voudrais pas ce soir aller trop loin. Je finis avec ça. Il y a le péché. Qu'on a, c'est mentionné, les frères. Hein. Psaume 51, 3 à 4, Exode 34, versets 6 à 7. C'est écrit tout ce que je vous lis. Il y a le péché, qu'on traduit par seconde péché, iniquité et parfois crime ou transgression. Mais ce ne sont pas des Chet veut dire manque le but. Hein? Je veux, mais je manque. Péché avant, c'est le péché volontaire, mais qu'on peut réparer dans la Torah. Et il y a le mot pécha, qui est traduit par crime. C'est le péché volontaire, mais qui est irréparable. Donc, si vous voulez, dans l'Ancien Testament, on pouvait offrir des sacrifices pour les péchés involontaires, pour être pardonné. On pouvait offrir des péchés pour des sacrifices pour les péchés volontaires qu'on pouvait réparer, mais si on ne pouvait pas réparer, c'était la mort. Œil pour œil, souvenez-vous, dent pour dent, vie pour vie. Mais regardez, merveilleux, je lis le psaume 51 avec vous. C'est écrit partout dans la Bible, hein, mais je prends juste ce texte. Hein. Psaume de David, lorsque Nathan, le prophète, vint à lui, après que David fut allé avec Bathsheba, donc après son péché, il se repent et va dire, « Oh Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde, ouvrez vos oreilles, efface mes transgressions, lave-moi complètement de mon iniquité, purifie-moi de mon péché. » Avon pécha. Et il va dire après David, plus bas, hein, je ne vais pas perdre trop de temps, il va dire, si tu aurais voulu des sacrifices et des offrandes, je t'en aurais offert. Mais ce n'est pas ça que tu prends plaisir. Parce que mes frères, pour le commis David, le double péché, il n'y a pas de réparation. Et David est dans la période de la loi. Mais David, dans la période de la loi, va avoir la révélation de la grâce. Et va dire, pour mon péché, il n'y a pas de sacrifice. Mais quelque part, je sais que tu es plus grand que ça, Seigneur. Et c'est ce qui est merveilleux. Hein? Révélation qu'a David.
Il va le dire, si vous voulez, vous pouvez le lire, hein. Je le lis parce que c'est trop beau. Verset 9 à 15, regardez ce qu'il dit. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. David a vraiment la révélation du tout accompli en Jésus. Annonce-moi l'allégresse et la joie. Et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés. Efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle à moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face. Et ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut. Et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Et verset 15. Et j'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent. Et les pécheurs reviendront à toi. David disait, qu'est-ce qu'il va enseigner David ? Mais Seigneur, comme tu m'as pardonné, les pécheurs qui auront commis le péché que moi j'ai commis, David a une révélation accomplie. Je voudrais juste, quand il dit, moi avec l'hysope, je serai pur. Le mot pur en hébreu, purifie-moi, pur, taher, taher. Purifie-moi, ouvrez vos oreilles s'il vous plaît, c'est le mot chata, c'est le péché. C'est-à-dire, je suis purifié parce que Jésus, hein, comme il dit par anticipation, va devenir péché pour moi. Donc, il va prendre ma culpabilité. Et là, le mot purifier, mes frères, vous le saurez. Psaume 51, verset 9. Ce n'est pas taher, c'est chata. C'est-à-dire, on pourrait le traduire, porte mon péché, Seigneur, pour que je sois pur. C'est exactement ça. Le sacrifice du péché était appelé péché. Je répète ce que je dis. Zeva chata, le sacrifice pour le péché était lui-même péché. Parce que pour qu'on soit pardonné de nos péchés, déjà c'était prophétique, il fallait que quelqu'un de prendre ma culpabilité concernant mon péché. Et nous sommes en plein 2 Corinthiens 5, verset 21 que nous avons lu. Il a été fait péché pour nous, pour que nous devenions à lui justice de Dieu. C'était pour vous dire, les frères, que le pardon de Dieu pardonne le péché volontaire, le péché involontaire et le péché volontaire même qui a brisé certaines choses. La croix, amen, a la puissance de permettre à Dieu de te pardonner totalement. Quoi que tu aies fait, qui que tu sois, comme le dit ce cantique, le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. C'est pour ça que Luc chapitre 15, Jésus a donné 3 paraboles, mes frères, qui veulent dire la même chose. Vous, la brebis perdue, la drachme perdue, le fils perdu. Entre vous et moi, mes frères, pourquoi Jésus se répète-t-il pour dire la même chose? Que les perdus, il va les chercher et il les pardonne. Non, Jésus dit ces 3 paraboles parce qu'il est hébreu, Jésus. Jésus est juif et il parle à des juifs. La brebis perdue, c'est le chet involontaire. Il y a eu des faits qu'elle s'est égarée. Jésus dit, moi je suis le bon berger et je suis prêt à aller la chercher. La drachme perdue correspond au péché avon. Parce que volontaire, on a éteint la lampe dans la maison. Il faut rallumer la lampe et nettoyer la maison pour trouver la pièce. Ça, c'est toujours Dieu qui nous cherche, qui cherche le pécheur. Et il dit que je suis celui qui veut chercher. Il est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Son père, à lui demandant les va volontairement. Vous remarquerez, il va la chercher.
La drachme, il la cherche. Le fils, il faut qu'il revienne. Et quand il était encore loin, le Père va courir vers lui. Amen. Symbolisant le pardon. Je finis avec ce thème. Si vous voulez, avec cette question plutôt. C'est que dans le tabernacle, le temple, il y a trois compartiments. Parvis, lieu saint et lieu très saint, mes frères. Il y avait certains péchés qu'on apportait le sang qu'au parvis, l'autel des holocaustes. Pour certains péchés, on apportait le sang au deuxième compartiment, sur les cornes de l'autel des parfums. Et une fois par an, le jour du Kippour, au troisième compartiment, sur le propitiatoire. Chet avon pécha. Donc, vous voyez, en Jésus est accompli tout cela, mes frères, et ça relève du pardon de Dieu en Jésus-Christ. C'est pour ça qu'il nous innocente. Et Satan nous juge. De toute façon, Satan ne juge pas, ce n'est pas un juge, c'est un brigand. Satan, il est celui qui veut nous condamner. Il est là pour, si vous voulez, j'ai du mal à trouver le mot, vous allez m'aider. L'accusateur, voilà. Hein. Le mot Satan veut dire accusé. Il ne juge pas Satan. Le juste juge, c'est Dieu. C'est lui, Satan, c'est un brigand. Mais il n'accuse devant Dieu, c'est écrit. Mais je bénis Dieu que Satan, accusateur ou adversaire, dans l'hébreu, a une valeur numérique. À Satan, le Satan, valeur numérique 364. Et vous savez ce que je dis, moi? Gloire à Dieu. Parce que le nom de Satan est limité. Une année solaire, c'est 365 jours. Satan pouvait accuser Israël 364 jours de l'année. Mais il y avait un jour. Il était comme un chien en laisse. C'était le jour du Kippour. Dieu avait décidé de pardonner tout Israël pour tous leurs péchés. Et là, il y avait la limite. Pour celui qui passe par la croix, qui est pardonné par cette justification, il est intouchable. Amen. Alléluia. Et Paul va dire, qui accusera les élus de Dieu? Personne. C'est Dieu qui justifie. Romains, chapitre 8. Voilà, mes frères, sur ce, je vous laisse la place. Donc, que Dieu soit béni et que Dieu soit glorifié. Et donc, moi, je pense que bien tout ce qui a été dit dans cette soirée, dans la première question, eh bien, est nécessaire pour pouvoir comprendre ce thème de l'expiation. C'est un thème, bien que c'est vrai, nous serviteurs de Dieu, eh bien, on connaît plus ou moins, mais c'est vrai en réalité que beaucoup peuvent se poser des questions de qu'est-ce que c'est l'expiation. Donc, important ce soir de pouvoir eh bien, l'expliquer. Et je bénis Dieu par-dessus tout, que la différence entre le pardon de Dieu et celui d'un homme, c'est que Dieu ne remettra plus jamais les fautes que Dieu nous a pardonnées. Et je bénis Dieu pour eh bien, cette explication ce soir. Elle a pris le temps qu'elle a dû prendre. Elle n'a pas été longue, elle a été le temps que Dieu a voulu pour que nous puissions eh bien, mieux comprendre ce thème. Donc nous allons eh bien, te poser directement la seconde question, mon frère. Pourquoi le sang pour le pardon des péchés? Très bien. Alors le sang, on pourrait lire un passage. Hein? Lévitique. On va aller dans Lévitique toujours. Hein? Lévitique 17. Verset 11. Donc, il dit ainsi. Car la vie de la chair est dans le sang. Le mot là, en effet, c'est l'âme. Donc, moi, j'ai une version ancienne, Louis II, 1910, de la chair est dans le sang. Donc, c'est, les témoins de Jéhovah ont rentré dans une fausse doctrine là, parce qu'ils ont dit que l'âme, comme nous on l'entend, est dans le sang. C'est faux. Parce que le mot nefesh veut dire l'âme, comme nous on l'entend, la partie spirituelle de notre être, mais veut dire aussi tout simplement la vie. Hein. La vie en général, ça veut dire aussi gosier. Je vous dis ça en passant.
Quand vous verrez dans la Bible le mot gosier, c'est le mot nefesh. C'est aussi le siège de l'appétit, des émotions, et c'est aussi la vie physique. Ça peut vouloir dire nefesh, la vie physique. Donc, si vous voulez, le mot nefesh en hébreu a plusieurs compréhensions selon le contexte dans lequel il se trouve. Hein, voilà. Donc, c'est la vie du corps. Pourquoi ? Parce que quand on, eh bien, le corps, il meurt, tout simplement. Mais ça reste, mes frères, le symbole de la vie spirituelle. Alors, attention à ce que je vous dis. Ce n'est qu'une image. Parce que vous savez que l'enfant était l'ombre des choses à venir. Je donne une explication très courte. Dans l'Ancien Testament, il fallait se laver à la cuve des reins, avec de l'eau. Nous, mes frères, je pense que vous n'avez pas une cuve des reins chez vous. Nous lavons l'eau de la parole. Hein. Il fallait une menorah pour éclairer. Nous, notre lumière, c'est la parole. Donc, vous voyez, les aspects, si vous voulez, corporels ou physiques ou matériels dans l'Ancienne Alliance n'étaient que des préfigurations et des images des vraies réalités qui allaient se trouver en Jésus. Bref. Donc, si vous voulez, le sang est le symbole et l'image de la vie. Hein? Donc, il dit là, regardez ce qu'il dit. Car la vie de la chair est dans le corps. 100 ans avant Jésus, à peu près. Donc, on est en train de parler vers là d'un texte qui a 3500 ans. Rien que ça. Hein? Et il y a 3500 ans, il nous dit que la vie dans la chair et le sang, il y a deux compréhensions ici. Sans le sang, le corps, il meurt. Donc, la vie du corps, c'est dans le sang, parce que tant qu'il notre corps est irrigué, le cœur aussi, le cerveau aussi. Ça, il y a la première vérité. Mais la seconde est que, physiquement parlant, je parle, je peux vous mentir à tous, moi, ce soir, vous disant je ne mange pas trop ou que Dieu nous garde, je ne bois pas d'alcool, hein, je ne me drogue pas. C'est très bien. Vous allez peut-être ajouter foi à certaines personnes qui vous disent ça. Mais si ces personnes-là passent une prise de sang, la vie de la chair est dans le sang. Ça veut dire que si ces personnes boivent, le sang va lire ce qu'ils font. Le sang ne peut pas mentir. Si ces personnes se droguent, ça va se voir dans le sang. Si ces personnes ont des maladies corporelles, ça va se voir dans le sang. C'est-à-dire que le sang est la liste de tout ce qui va se vivre et de la réalité de ce que cet homme va vivre et de l'état de son âme. Et il dit, il continue, « Je vous l'ai donné sur l'autel afin qu'il serve expiation pour vos âmes, pour vos vies, car c'est par la vie que le sang fait l'expiation. » Et là, on est en plein dans le domaine de l'expiation en Jésus, mes frères. Parce que, symboliquement parlant, je parle dans la symbolique et dans la vérité spirituelle, du symbole. Hein. Je répète, ce n'est qu'un symbole, une image. Du sang qui a coulé, il y en a eu des tonnes de toute l'humanité. Mais c'était des gens pécheurs. Et ce sang-là était corrompu, ne pouvait pas ni espier, ni racheter quiconque. Quiconque. Il fallait le sang d'un homme sans péché. Et c'est là où est toute la valeur du sang de Jésus. Parce que, je le répète, dans l'Ancienne Alliance, le sang était l'image de la vie. Il fallait un sang innocent, mes frères. Vous aurez voulu donner votre vie, moi aussi, à la croix. On n'aurait pas pu racheter qui que ce soit parce que nous sommes pécheurs et toute l'humanité était plongée dans la désobéissance et dans le péché. Et
terrestre, un homme qui a vécu sur terre 33 années sans jamais, mes frères, commettre de péché. Et c'est ce qui est justement le pourquoi du sang. Parce que le sang est l'image de la vie vécue par l'individu en question. Voyez-vous, Jésus est l'homme sans péché. Et ce sang est un sang unique. C'est le sang d'un homme, le seul, mes frères. Ni avant lui, ni après lui, le sang du seul être humain qui n'ait jamais commis de péché. C'est pour ça que nous dit l'apôtre Pierre, 1 Pierre, chapitre 1, verset 19, « N'a pas acheté au prix de l'or et de l'argent, mais au prix de son sang précieux. » Soyez attentifs aux détails de la Bible. Pierre dit que ça est un sang précieux pour acheter. Précieux. Je voudrais vous dire qu'il y a trois sortes de façons de désigner l'argent qui rachète dans l'hébreu. Il y a le mot kesef, qui est l'argent, le métal, et aussi l'argent qu'on se servait. Il y a le mot Mammon, que vous connaissez, le dieu de l'argent, le dieu de la richesse. Mais il y a une troisième allusion dans l'hébreu, damim, qui veut dire aussi du rachat de l'argent. Et damim vient du mot dame, le sang. Déjà, le sang était la base du rachat dans le texte hébreu. Mais Pierre va dire un sang précieux continu. Pourquoi il est précieux? Comme un agneau sans tache et sans défaut. Amen. C'est pour ça que son sang est précieux. C'est un agneau blanc comme neige, sans tache et sans défaut, sans péché. Le sang, dit Lévitique 10:11, fera l'expiation par la vie, car la vie est... Alors, vous savez, c'est merveilleux dans la symbolique de cette vérité. Ce sang a coulé et c'est comme Dieu aurait prélevé un tillon dans le laboratoire du ciel. Il aurait analysé ce sang et ce sang aurait crié sans péché. Alléluia. Et Jésus va dire, qui me convaincra de péché? Un sang pur. Vous savez qui je comprends? Vous allez me dire, Michael, il est devenu fou. Tant pis, je suis un fou de Dieu. Hein? Pierre avait ouvert sa bouche pour accueillir le sang du premier crime quand Caïn a tué Abel. Et Dieu dit, donne-la. La terre sera maudite car elle a ouvert sa bouche pour boire le sang du meurtre. Vous savez que de la planète Terre sort des choses précieuses, hein, de l'or, des diamants, tout sort de la Terre que Dieu a créée. Laissez-moi vous dire que la planète Terre n'a pas vu une substance aussi précieuse que le sang de Jésus. Et comme elle a ouvert sa bouche une première fois pour accueillir le premier crime, là elle a tremblé à la croix parce qu'elle a, elle a voulu ouvrir sa bouche une deuxième fois pour accueillir un sang précieux d'un homme qui a vécu 33 ans sans jamais commettre de péché. Étant dit, le chapitre 4, verset 15, Jésus étant tenté en toutes choses, sans jamais commettre de péché. C'est pour ça que son sang est précieux, et c'est l'apôtre Pierre qui dit, comme d'un agneau sans tache et sans défaut. Si Jésus aurait péché, mes frères, son sang
ça a coupé, excusez-moi. Si Jésus aurait péché, son sang n'aurait pas pu nous racheter. Mais c'est un sang précieux, comme d'un agneau sans tache et sans défaut. C'est pour ça que Jésus va s'écrier. Il va dire, qui me convaincra de pécher? Il lance un défi. Amen. Personne. Personne ne pouvait convaincre Jésus de pécher parce qu'il était sans péché. Béni soit son saint nom. Que Dieu soit béni, mes frères. Et ça, c'est très important et c'est fondamental. Ésaïe 53, verset 1er. Et j'ai que 20% de batterie, les frères. Alors, on va passer à la trée. Hein. Mon téléphone donc a plus bientôt de batterie. J'ai encore 20%. Il va dire, Ésaïe 53, verset 1er, « Il s'était élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton. » La faible plante, là, en hébreu, « yonek », ouvrez vos oreilles, s'il vous plaît. C'est la seule fois que ce mot est marqué dans toute la Bible. Alors là, vous savez, quand il y a plusieurs verbes et plusieurs mots, mais là, vous le trouverez que dans Ésaïe 53, verset 1er, Yonek. Il s'était révélé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Yonek veut dire aussi faible plante, mais veut dire aussi nourrisson, un bébé qui allaite. Ça veut dire aussi sa naissance. Il sort, il va naître d'une terre desséchée. Cette terre, mes frères, c'est l'humanité. Elle était desséchée. Jésus a été le 60 ans dans la lignée messianique. 4000 ans d'intervalle entre les deux. 74e, tous pécheurs et privés de la gloire de Dieu. Impossible de racheter quiconque parce que tous étant contaminés par le virus du péché. Mais je bénis Dieu, mes frères, qu'il y a eu un 75e. Il s'était élevé comme une faible plante. Amen. Il a. Mais cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, ce sont nos péchés qu'il a portés. Et il a pris notre place pour nous dégager de la colère de Dieu. Que son nom soit béni et glorifié. La parole a été faite, son sang nous montre son humanité pure et sainte, mes frères. Parce qu'il ne fallait pas un saint pour l'expiation, il fallait un homme saint. Un Dieu saint au ciel, tous perdus, mais il fallait un homme saint qui prenne notre place et qui prenne notre culpabilité. Et la parole a été faite chair. Il dit, Hébreux 2, verset 14, Hébreux 2, verset 17, qu'il a participé comme les enfants participent à la chair, mais pas seulement au sang. Je voudrais vous dire quelque chose d'unique dans la Bible. Le mot la chair, bassar en hébreu, c'est la chair. Mais vous savez ce que ça veut dire aussi? Bonne nouvelle. Frère, normalement, la chair est toujours négative, hein, mais là, elle est positive. Parce que le mot chair, vous le retrouverez Ésaïe 52, verset 7, « Qui sont beaux sur les montagnes les pieds de celui qui annonce la bonne nouvelle. » Le mot « bonne nouvelle » bassar, le même mot que la chair. C'est bizarre, hein, mes frères. Mais non, parce que la nouvelle soit accomplie, il a fallu que la parole soit faite chair, qu'elle soit clouée sur la croix et que son sang coule. Amen. Pour que nous puissions aujourd'hui annoncer la bonne nouvelle. C'est au prix du sang du juste. Alléluia. Au prix du sang de l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. De Jésus, je finis. Selon 1 Jean 1,7, il purifie de tout péché. Les attributs du sang. Hein. Selon Apocalypse 1,5, il nous délivre de nos péchés. Selon Apocalypse 7, verset 14,
Vous êtes avec moi. Je couvre un peu là, parce que j'ai plus de batterie. Apocalypse 7, verset 14. Ça concerne les martyrs de la grande tribulation, là. Ce n'est pas l'Église. Mais mes frères, ouvrez vos oreilles. Le sang, c'est le même. Il dit qu'ils lavent leurs robes et les blanchissent par le sang de l'Église. Je vous ai dit que Dieu est blanc. Et vous savez quoi? Celui qui passe sous le sang de Jésus par une repentance, écoutez bien, il devient comme lui est blanc. Pas moins. Vous savez pourquoi? Parce que moins blanc, on ne rentre pas. Pour rentrer, il faut être blanc comme lui est blanc. Et son sang nous apporte la blancheur même qu'a Jésus. Ça, c'est puissant, mes frères. Je ne sais pas ce que vous en dites, mais ça, c'est vraiment puissant. C'est merveilleux. Selon Romains 5, verset 9, justifié par son sang, rendu juste, aucun casier judiciaire, on n'a rien fait de mal, parce qu'en lui, nous devenons justice de Dieu, parce que lui est devenu pour nous coupable à la croix. Il a pris notre culpabilité, nos péchés. Selon Éphésiens 1, verset 7, il nous pardonne, bien sûr, et c'est le pardon Nassa, il ôte le péché. 10 verset 22, il dit que par l'expiation, Dieu purifie même, soyez là, notre conscience. Il y en a qui ont mauvaise conscience, mais si tu passes par le sang de Jésus, si tu te repens sincèrement, alléluia, la puissance de l'expiation en Jésus purifie même ta conscience, te débarrasse de ta culpabilité. Amen. Et ça, mes frères, il n'y a pas de parole. Hein. Donc, je vous laisse pour la troisième question. Elle va être courte parce que ça va être juste un résumé de ce qu'on a dit, je pense. Je vous laisse la place. Amen. Béni soit Dieu. Et tout simplement, on va passer à la dernière question, hein, sans plus tarder, parce que je vois qu'il n'y a plus de batterie. Alors, béni soit Dieu. La troisième question, c'est quelles devaient être les conditions pour faire l'expiation dans les exigences de Dieu? Alors, il y avait quatre points incontournables, les frères. On l'a dit, la première condition, il fallait que Dieu, par le moyen du Fils, se fasse homme et que la parole, comme il est dit, soit faite chair. Paul, 1 Timothée, chapitre 3, verset 16, il dit « Le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair. » Et c'est là où prend tout le sens du mot « bassar » que je vous disais. La bonne nouvelle, c'est qu'il a été fait chair pour verser son sang. Parce que Dieu est esprit et Dieu à la base n'a pas de sang, mes frères. Et même la Bible, c'est merveilleux. Mais si j'arrache une page de la Bible, je la cloue au mur, il n'en sortira jamais du sang. Hein. Et il fallait que la parole soit matérialisée en chair pour qu'elle verse son sang et elle fasse l'expiation incontournable. C'est pour ça qu'il y a un texte merveilleux d'un Jean 1, verset 17, par exemple, il dit « La loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité montre mon livre, voilà. La loi, c'est la Bible. La Bible, c'est la vérité. Et Dieu me dit dans sa parole que la vérité n'est venue que par Jésus. Pourtant, la loi était avant. La loi, mes frères, c'est la photo de la vérité. C'est la photographie de la vérité. La photo ne pouvait pas expier mon péché. La parole a été faite chair. Elle est venue en chair et en os. La photo n'avait pas le moyen. La photo me montrait celui qui allait venir, la fait les exigences de celui qui allait venir, mais la photo n'avait pas de sang. Il a fallu que la parole soit incarnée, faite chair, et qu'elle est tabernaclée au milieu de nous pour qu'elle verse son sang et sa vie. Donc, la
première doctrine, pour que l'expiation soit faite, il fallait qu'il y ait l'incarnation de Jésus. Hein. On trouve cette idée, Jérémie 18, il dit, « Lève-toi, descends dans la maison du potier. » Et dit qu'il fit un vase. Le mot vase était fait avec le vase était fait avec de la terre. Adama, c'est la terre. Alors là, je donne trois racines, si vous permettez, hébraïque. Adama, la terre, rouge. Glèbe. Adam, l'homme, qui sort d'Adama. C'est pour ça qu'il est appelé Adam. Il sort de la terre. Donc, je récapitule. Adama, la terre. Adam, l'homme. Dam, le sang. On en revient un peu au sang. La terre, l'homme, et l'homme qui verse son sang. Donc, si vous voulez, le premier vase qui ne réussit pas, c'est le premier Adam. Il n'a pas réussi. Il a péché. Mais Dieu dit, attention, j'en ferai. Même condition, dans la même nature que nous, pour expier nos péchés. C'était l'exigence de Dieu. Sans effusion de sang, pas de pardon de péché. Ce n'est pas possible. Il fallait qu'il y ait l'incarnation. Dieu au ciel, mes frères, tous perdus. Dieu fait homme par le moyen du Fils, moyen de salut et d'expiation. Parce que l'Ancien Testament, c'était l'homme qui offrait l'agneau. Le Nouveau Testament, c'est Dieu qui offre son. Et j'ai parlé de Jean-Baptiste tout à l'heure. Jean-Baptiste répond des centaines d'années après à une interrogation d'Isaac à Abraham. Isaac a dit à son père Abraham, nous avons le bois, nous avons le feu. Où est l'agneau ? L'agneau, c'est l'humain dans la Bible. Et l'homme, ce sont des synonymes bibliques. Où est l'agneau ? Cette question est restée en suspens des années, des centaines d'années. Et le premier qui inaugure le Nouveau Testament, le premier prophète répond, je te réponds Isaac, des centaines d'années après, je te réponds humanité, vis l'agneau qui ôte le péché du monde. Donc, première exigence de Dieu, il fallait l'incarnation pour l'expiation. Et on va juste citer 1 Pierre 2, qui va être un résumé, en fait, de ce que nous avons dit. On a bien avancé, n'ayez pas peur. Pour nous, lui qui n'a point connu de péché. Donc, avec son incarnation, il va parler de la deuxième doctrine. Lui qui n'a péché. Et là, nous sommes en plein devant l'absolue sainteté de Jésus homme. Comme je vous ai dit, un Dieu saint, on est tous perdus. Il fallait un homme saint pour racheter la faute de l'humanité. Parce que c'était un homme qui avait péché. Il fallait, dans l'Ancien Testament, le racheteur qu'on appelait le Goël, celui qui avait le droit de rachat, condition, il fallait qu'il soit dans une des conditions, on n'a pas le temps de parler de toutes les conditions, il fallait qu'il soit de la même famille, mes frères. Vous êtes avec moi. Dieu n'était pas de notre famille. Dieu est esprit, nous de chair et d'os. Par l'incarnation, Dieu s'est fait de notre famille. Il est rentré dans une nature hier à la nôtre pour expier nos fautes. Il fallait un homme saint et qui porte la culpabilité de tous les pécheurs. Et là, on est devant la deuxième condition, l'absolue sainteté de Jésus homme, étant tenté en toutes choses sans jamais commettre la grande victoire. Une autre réalité, pour qu'il y ait l'expiation, lui, verset 24, lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois.
quatrième réalité, lui, par les meurtrissures duquel vous êtes guéri. Alors, voilà, je résume. J'ai que 10%. Les exigences de Dieu pour l'expiation, il fallait qu'il y ait incarnation de Dieu par le moyen du Fils de Dieu. Il fallait qu'il y ait l'absolue sainteté de Jésus-homme. Vous êtes avec moi ? Parce que, mes frères, s'il n'aurait pas été sans péché, il n'aurait pas pu porter nos péchés. C'est parce que lui n'a pas été sans péché qu'il a pu porter nos péchés. Vous êtes d'accord ? Donc, l'incarnation, l'absolue sainteté de Jésus-homme dans son incarnation, dans sa vie, il a porté nos péchés en son corps sur le bois, nous l'avons dit. La troisième doctrine, substitution, l'imputation, il a pris notre place. Et la quatrième condition, il y a eu des conséquences en ça, puisqu'il a porté nos péchés en son corps, il a été meurtri. Et là, on est devant, si vous voulez, l'expiation. Expier veut dire purger une peine, prendre la place, souffrir pour des méfaits. Parce qu'il n'a jamais commis de péché, il a porté nos péchés. Et c'est parce qu'il a porté nos péchés qu'il a été meurtri. Mes frères, je finis. Et c'est parce qu'il a été meurtri. Je récapitule les conditions. Il fallait juste ça, c'est pas mal. Hein, vous voyez que la croix, quand c'est comme ça, non. L'incarnation, l'absolue sainteté de Jésus-Homme, la substitution, il a pris nos péchés, notre culpabilité. Ça, si vous voulez, frapper à la croix meurtrie pour que nous puissions être guéris. On a résumé en gros l'expiation. Voilà. Que Dieu soit béni pour ce que Jésus a fait pour nous et ce que Jésus peut faire pour chacun qui est en train d'écouter en ce moment. Voilà, je vous laisse la place, les frères. Bien, béni soit Dieu. Béni soit Dieu, bien pour cette soirée, je crois, de tout mon cœur, et bien que l'explication que tu as pu nous apporter ce soir a été claire. C'est vrai, il manque un peu plus de temps, il manque parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, car c'est un sujet, bien comme tu dis, et pour moi aussi, c'est le sujet fondamental de la Bible, l'expiation sans lequel, et bien sans le pardon de péché, et bien, il n'y aurait personne qui pourrait être sauvé ce soir, ni et bien dans les temps passés, ni dans les temps à venir, ni dans l'instant présent. Merci Seigneur et bien pour le pardon de nos péchés. Merci Seigneur pour ce sacrifice parfait à la croix. Et comme tu dis, et bien, la croix, ce n'est pas simplement... ce que l'on dit souvent, on la résume rapidement, mais la croix, c'est bien plus profond que ça. Et je bénis Dieu pour cette émission dans laquelle eh bien, nous avons le temps de pouvoir approfondir eh bien, dans ce sujet-là. Si Dieu permet, eh bien, dans les jours ou dans les semaines à venir, eh bien, nous te réinviterons, mon frère, pour que tu puisses eh bien, nous apporter un complément de ce que tu nous as apporté ce soir. Je pense qu'il manque encore eh bien, un peu plus de temps pour pouvoir parler plus dans la profondeur de ce sujet-là, de ce thème qui est très, très important. Donc, que Dieu te bénisse, Michael. Hein, donc, je vais passer aussi la place à mon frère Christophe hein, pour qu'il puisse aussi dire un mot. Amen, béni soit Dieu. Hein, nous sommes réjouis à t'écouter, Michael. Béni soit Dieu. Quel thème très important, comme il disait Antonio aussi. On ne va pas répéter la même chose, mais c'est vraiment très, très important. Que Dieu soit béni. Gloire au Seigneur. Je te relaisse la place, Antonio. Bien, alors, bien, cette émission tire à sa fin. Donc, avant eh bien, de nous quitter, eh, donc, on te remercie une fois de plus, mon frère Michael. Tu as été ce sujet de bénédiction ce soir. Je me suis réjoui de t'entendre eh bien, sur ce thème-là. Eh, j'ai pris pas mal de notes hein, pendant que tu étais en train de parler. Je t'écoutais, mais comme alors, j'étais en train de surveiller eh bien, les commentaires, en train de regarder les cas de prière et tout. Donc, j'ai marqué pas mal de choses ici. Et pour moi, eh bien, ce soir, eh bien, je sors avec... un plus de la parole de Dieu, et je pense comme tous ceux qui nous ont écoutés. Donc, je ne vais pas te garder plus longtemps parce que bien, tu n'as plus de batterie. Donc, il y a un sujet de prière à présenter ce soir. Hein. C'est un frère qui nous a demandé de prier pour sa compagne. Hein. Donc, nous allons prier bien pour elle. Donc, nous allons le faire avant de nous quitter. Puis après, il y a une question
qui serait posée, mais comme elle ne touche pas le sujet de la soirée, donc je te la poserai un peu plus tard, quitte à te la poser par téléphone, car je ne veux pas poser des questions qui ne touchent pas le thème, afin qu'on reste toujours sur la même note du message. Gloire à Dieu. Alors, on va prier pour ce cas. Christophe, tu le fais? Tu pries pour la compagne du frère Wilfried. Seigneur, combien nous sommes devant toi, Seigneur. Et nous croyons par la foi que tu peux agir sur la compagne de ce frère, Seigneur. Seigneur, toi, tu connais toutes choses, Seigneur. Nous te la remettons entre tes mains, Seigneur. Et que ton nom soit béni et glorifié, Christ. Amen. Amen. Voilà, que Dieu soit béni et que Dieu soit glorifié. Donc, on se dit à très, très bientôt pour une prochaine émission de Parole de vie avec un autre thème, un autre sujet, mais toujours le même Seigneur au milieu de nous. Mieux le connaître, comme je dis souvent, pour pouvoir mieux le servir. Que Dieu vous bénisse à tous et à très, très bientôt.